Yo tout le monde, c'est Lunar, on est parti sur le second épisode sur Pokémon Soul Silver. Donc on y va tranquillement, pas de problème. Donc on a Dark Snake qu'on avait comme starter. Et je ne sais plus quel est le starter de notre adversaire. Et on était tranquillement parti pour se faire des trucs. Donc on va y aller. Voilà, c'est notre rival. Toi, t'as reçu un de tes Pokémon du laboratoire? Quel gâchis de le donner à une mauviette comme toi! Quoi? Tu comprends pas quand on parle? Tu me lâches pas le choix. Moi aussi, j'ai un bon Pokémon et je vais te le montrer comment on s'en sert. Oui, donc j'ai une team vraiment super lente. Comme j'ai l'habitude de vous le dire. Ok, Ramelos. C'est bon, j'ai l'avantage du type. C'est super efficace, c'est paralysé. Voilà, t'es paralysé. Les chouilles. Tu sais, c'est légèrement trop tard pour avoir fait malédiction. C'était minable. Bah, je sais pas en fait, tes Pokémon meurent quand je les lèche. Non, y a pas de truc caché derrière. Non, y a pas de truc caché derrière, je vous le dis. Je vous promets, y a pas de truc censé caché derrière, non. Non. Je suis l'homme qui deviendra le plus grand dresseur du monde. Rends-moi ça, je l'ai fait tomber, c'est ma carte des dresseurs. T'as vu son nom? D'accord, on a vu le nom. Et son nom s'appelle Hector, comme notre rival d'antan. Et puis, puis voilà. Donc, je rappelle que c'est un Nuzlocke. Voilà, donc Poussifeu. Je ne sais pas si je t'aurai. Clairement, je ne pense pas que je tomberai direct sur toi. Et comme ta garde mystique, je n'ai pas envie de tomber sur toi, puisque j'aurai très peu de chances de te capturer. Après, il y aura un Pokémon ici, il y aura un Pokémon ici, il y aura un Pokémon côté, il y aura un Pokémon dans la grotte, il y aura un Pokémon... Ouais, il y aura pas mal de Pokémon. Sur un Nuzlocke, on peut déjà capturer 4 Pokémon directement dans cet épisode. Oui, je sais, je suis très très ambitieux. Et vous ne me le faites pas dire, je suis ambitieux. Ta 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 ta. Première règle de l'enquêteur, c'est toi le coupable. Comment ça je suis le coupable? C'est le mec aux cheveux roux là, tu vois? Il avait le Pokémon. Il avait Ramelos. T'en as des milliers au pire, Ramelos. Et moi je l'appelle Hector. Voilà, c'est Hector. Donc je vous dis que c'est mon rival. Voilà, il joue parfaitement bien à Pokémon et il est très bon en stratégie aussi, même meilleur que moi. Très bien, Hector. Donc voilà. Mais pour autant, un Ramelos contre un Sévipère ne fait jamais grand chose. Hein, comme vous avez pu le remarquer, un coup de l'échouille et puis un tir de la vie et puis. Puis voilà, un psycho et puis ça me fait quand même mal, mais je peux aussi faire ma chouille et donc là, voilà, si on passe comme ça, ça y aura pas de problème. Bien. Ce n'est pas si facile d'être maître. Bah tu verras, en 30 épisodes ça sera fait. Je sais pas, 30, peut-être 40. Peut-être 40, peut-être 30, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense plutôt 30, c'est un jeu court relativement. Enfin! Étant donné que j'ai fini Perle en 24 épisodes, je pense que je vais... 27. Oui, les 3 derniers, je les ai filmés bien après.
D'accord, je n'ai pas bien vu. Du coup, t'as un... t'as attrapé un Pokémon. Et je parie que dans ton équipe, en fait, t'as qu'un seul Pokémon. C'est un truc que le... qui a pas été codé. Voilà. Elle a attrapé un Pokémon. Elle a qu'un seul Pokémon dans son équipe. Donc elle va le refaire. Et la capture précédente, en fait, elle était ratée. Hein. Vous pouvez le remarquer. Il n'y a qu'un seul Pokémon dans son équipe. Donc il y a... Je suis désolé, mais monsieur le... celui qui programme n'a pas bien observé ce qui se passait. Non, non, non. Il a mis un seul... une seule Pokéball. Ce n'est pas bien. Il aurait dû en mettre deux, mais il n'a pas réfléchi. Dans sa tête, il n'a pas réfléchi. Il s'est pas dit, je vais mettre deux Pokéballs. Non, il n'en a mis qu'un. Et ça fait une grosse différence. Voilà. Alors, j'ai deux cas de figure. Premier cas de figure, je tente de l'attraper. Deuxième cas de figure, je prends le premier cas de figure. En observant le nombre de dégâts qu'il me fait. Ok, 2. Pour l'instant, c'est bon. Attends, tu viens pas de me balancer 6 coups de dégâts là? Je tente une léchouille si. Fais attention à être paralysé. Fais attention à être paralysé. Ok, puissance de l'électricité est affaiblie. Fais des trucs comme ça pour l'instant. Jusqu'à ce que je t'attrape, d'accord? Parce que Barbicha, c'est dur à attraper, donc... Donc voilà. Je calculais. La dernière fois, il m'a fait 6 dégâts, points de dégâts. Je calcule 2 chatouilles, donc ça fait défense sur 3, donc ça fait... ça fait x3 en attaque, donc ça fait... Je vais l'appeler grand papy. Non, je vais la... Je vais l'appeler... Je vais l'appeler mamie. Mamie gâteau. Mamie gâteau, voilà, c'est bon. On envoie mamie gâteau. On envoie mamie gâteau. Ouais, c'est bon. En plus, ça sonne... Je trouve que ça sonne bien. Mamie gâteau. Mamie gâteau... Mamie gâteau. Ouais, mamie gâteau, c'est cool. On aurait pu tomber sur les liquides. J'allais dire c'est de l'XP gratos pour Mamie Gâteau, mais elle est paralysée que 4 points de vie. Ça se tente pas. Ça se tente pas. C'est comme essayer d'envoyer un Pokémon à la mort. C'est... Je sens que c'est à peu près la même chose. Dark Snake. Allez, Dark Snake, vas-y, fuis. Et si tu rencontres un Pokémon intéressant, tu le butes, d'accord? Il faudrait quand même que tu montes au niveau 10. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. On aurait pu tomber sur Migaloot. Bon, Migaloot, c'est pas terrible. Pokémon insecte poison.
J'ai pas envie de faire une team monotype poison. D'accord, ça commence Girl Challenge. Ok. Sachant qu'il y a une très très faible chance d'avoir un starter femelle. Il y a une très faible chance d'avoir un starter femelle, donc plus. Ouais, il y a beaucoup plus de mâles qui se trimballent que de femelles. Bon, allez, vase. Allez savoir pourquoi. Mais les Pokémon laissent les femelles à la maison et les Pokémon mâles en dehors. Il n'y a que des femelles, j'ai l'impression. Peut-être que je dis est complètement faux, mais bon. Ok, d'accord. J'ai un traumatisme de trouble de mémoire. Ce n'est pas possible que tu oublies d'attraper des Pokéballs. Attraper des Pokéballs, mais qu'est-ce qu'il raconte? Faut que tu retournes te coucher. Non, pas envie. J'ai envie de continuer à jouer, donc je continuerai à jouer, et puis voilà! Voilà. Bienvenue, voulez-vous soigner vos Pokémon? Oui, je veux soigner mes Pokémon. Ta-da-da. Une prochaine fois peut-être. Et là, il y en a vraiment plusieurs. Mais bon, après, je sais pas si elle est vraiment allée chez l'ophtalmo. Je pense que si j'en reprends un, elle fera plusieurs sévipères comme d'habitude. Mais elle voit en double en fait, celle-là. C'est pour ça qu'elle voit, elle vous voit tout le temps. Elle voit en double. Donc évidemment que ah, ça va pas. Hein. Ça va pas. Je vais soigner vos Pokémon. C'est pas bon hein, quand il y en a qu'un seul. Je vais soigner ton Pokémon. Il aurait dû faire une petite boucle de plus. Mais ça va, ça va, ça va. Elle est juste bigleuse et puis voilà. On peut arranger le coup comme ça. Hein. On peut arranger le coup comme ça en disant que Porygone. Ah celui je le prends. Je le prends pas une seule hésitation. Ne me dites pas que... J'ai vraiment des troubles de mémoire, c'est pas possible! Alors si je le rate à cause de ça, je crie. Hein. Non, je ne crie pas, ça va vous faire mal au... Ça va vous faire mal aux oreilles, mais... Alors, t'as pas l'intérêt à le tuer. D'accord. Mais tu te fiches de moi? Je vais lui faire tomber ses points de vie au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, c'est exprès calculé comme ça.
Voilà, un dernier coup de boue, et après je tente pas. Je vais pas le tenter le suivant. Je vais même switcher au cas où s'il fait un critique. J'ai tellement envie de jouer Porygon. Ah oui, Porygon. Porygon, j'ai tellement envie de te jouer. Là, je le joue. J'y a même pas une seule raison que je le joue pas. J'ai tellement envie de jouer Porygon juste pour une seule raison, c'est parce que j'ai jamais pu le jouer parce qu'il pouvait pas évoluer. Voilà. Et là, il pourra évoluer. Je veux le faire évoluer. Donc, je vais utiliser... je vais l'appeler... Polymaster. Non, si je peux l'appeler... Polymaster. Ouais. Polymaster, ça peut être cool. Polymaster, c'est vraiment cool. Par contre, je connais pas ta capacité spéciale. Mais ça me... Je m'en fiche. Mais ce serait bien d'adaptabilité, mais... Je pense pas. Polymaster, en plus, ça rentre tout court. Rencontrer au niveau 2. Pêche les problèmes de statue au soleil. Absorbo. J'ai tellement envie de jouer pour une team. Tu peux jouer une team feu en fait. Ouais, mais non, une team sous le soleil, qu'est-ce que je fais? Hein, je fais comment après Barbichet, il est pas à sa place. Non. Team sous le soleil. Ça me ferait trop baver d'avoir un truc à... Sécheresse, quoi. Sécheresse, ce serait vraiment excellent. Sur une telle team, mais... Merveille, quoi. Bon, après... Il y a Barbichet qui perd en pouvoir, il y a pas mal d'autres choses, mais... Un Pokémon feu avec sécheresse, je dis pas non. Les Pokémon sont soignés, une prochaine fois peut-être, une prochaine fois peut-être. Porygon. Porygon, vous rendez compte, Porygon. Ah oui, j'ai oublié de racheter des... J'ai oublié de racheter des Pokéballs. J'espère que ça va pas jouer contre moi. Bon, techniquement, je peux tenter un autre léchouille. Voilà, là il est middle life, ça devra aller. Middle life paralysé, c'est un malos quand même, donc c'est un gros taux de capture. Et hop, malos est attrapé. Les données de malos sont... Voilà, donc j'ai déjà un petit nom pour ce Malos. Donc je vais l'appeler Blackbone. Voilà. Parce qu'il est entouré d'os et de... En plus, il est noir, donc ça va parfaitement. Blackbone, c'est le nom. Un bug graphique. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Maman. Ah, ça, c'est... Ça m'apprendra à trafiquer la Rome. Ok, d'accord. Donc j'ai un bug graphique, c'est pas possible. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner en fonction de cette vidéo.
D'accord, merci et bye. Je vais essayer d'arranger ça.